La première action que tu fais, c'est la clé. Ça représente à peu près 50% des résultats. Rien que faire le premier pas sur ton projet, c'est la clé. Les premiers éléments ont une importance colossale sur la suite. Tu vois, je vais vous donner une métaphore qui est très connue, mais si tu dévies légèrement un avion qui va de Paris jusqu'à New York, si tu dévies d'un degré, bah à la fin, il ne va pas arriver à New York, il va arriver, je ne sais pas, peut-être à Mexico, mais en tout cas, il ne sera pas à New York. On a juste dévié d'un degré dans les premières actions. Par contre, si tu fais ça à la fin, c'est trop tard. Pareil, tu prends une flèche, hop, tu cibles la cible, tu l'envoies. Si tu dévies au départ, là, ça a un effet colossal. Si tu dévies à la fin, c'est trop tard. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que les enfants avant 3 ans, c'est très important, etc. Mais également, je vais te parler de ça. Si tu as des projets et si tu as envie d'avancer, pourquoi tu dois te lever tôt du coup le matin? Pourquoi tu dois te lever tôt? Parce qu'en fait, toi-même, tu es ton monde intérieur, le monde intérieur crée ton monde extérieur. Donc toi, tu dois déjà être ta première action. Alors pourquoi se lever tôt? Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que d'un point de vue naturel, quand tu te lèves tôt, il y a une partie de ton cerveau, celle qui veut rester dans le confort, elle va te dire non, la flemme. Et tu as la partie qui dit, moi, j'ai envie de me lever tôt. Donc ça, c'est la partie qui veut grandir, qui veut te dire, ok, je vais y aller. Donc si tu veux grandir dans ta vie, plus de résultats, tu dois écouter la partie qui veut y aller, tout simplement. Alors, ça, c'est difficile parce que la partie qui dit, je veux la flemme, elle joue contre toi parce qu'elle a avec elle le poids de la gravité, le poids de la flemme de ton corps, etc. Donc, comment enlever ça? Si tu veux ces techniques-là, je t'en avais parlé récemment. Attends, je vais m'asseoir rapidement. Hop. Je t'en avais parlé récemment dans une vidéo par rapport à comment débloquer ton cerveau. Va la voir. Mais en gros, ce que tu fais, c'est que tu visualises un ballon qui est sous l'eau, que tu pousses comme ça. Donc, ça, c'est ta résistance. C'est toi qui résistes comme ça. Et tu le relâches. D'accord? Et au moment où tu dis je relâche, ça, c'est la force de désir qui prend le dessus. Donc, c'est la voie de moins de résistance. En fait, là, tu vas réussir à te lever. Si tu n'arrives pas à te lever, si tu as la flemme, etc. Ok, mais quoi qu'il en soit, lève-toi. Deuxième effet de se lever tôt, eh bien, faut savoir, tiens, je vais te montrer. Regarde. Je vais ouvrir la fenêtre. Tu vois les arbres le matin? Les arbres le matin, faut savoir qu'ils reçoivent la lumière du soleil. Au premier rayon de soleil, les oiseaux se mettent à chanter. Et dans la nature, tout est connecté. Lorsque les oiseaux se mettent à chanter, ça envoie des ondes. D'accord? Donc c'est des vibrations de l'air tout simplement. Et les arbres ouvrent leur, entre guillemets, leur pores. Ça s'appelle, je sais plus comment on appelle ça, des stomates, des stomates, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros, ils ont des pores. Et en fait, ils libèrent de l'oxygène. Et les premières oxygènes, les premières molécules d'oxygène que tu respires le matin là, donc là, rien n'est pollué. Bon, c'est bon. Donc, lève-toi le matin, sors dehors, prends les premiers rayons de soleil. Deuxième raison, troisième raison, c'est que lors du lever de soleil, la lumière du soleil, c'est pas la même. Elle est un peu rougeâtre, etc. Elle est extrêmement bonne pour la santé. Il faut savoir qu'il y a des milliardaires qui payent plus de 100 millions pour acheter des machines qui reproduisent à peu près ce type de lumière. Donc toi, tu as juste à te lever le matin et à récupérer cette lumière. Alors nous, on l'a le matin et le soir. Donc c'est la lumière du lever de soleil et la lumière du coucher de soleil. Également, pour ton mindset, le fait de te lever le matin et d'être avant les gens, ben, en fait, tu gagnes ta journée en fait. Tu as démarré ta journée par une big victoire. Tu avais une partie de toi qui disait ouais, j'ai la flemme, une partie de toi qui a dit je me lève le matin et tu commences à te renforcer, tu deviens une nouvelle personne. D'accord? D'ailleurs, le fait de devenir une nouvelle personne, c'est hyper. Essayer de mettre en place ce genre d'habitude. Notamment, je t'invite à lire le livre Psycho-cybernétique. Va te renseigner dessus ou regarde des vidéos dessus. Mais en gros, il explique que mettre en place une habitude et la vision qu'on a de nous-mêmes, ça provient. C'est beaucoup plus facile lorsqu'on a une croyance sur nous-mêmes qui est en accord avec l'habitude. Je vais donner un exemple. En fait, dans l'exemple, il explique qu'il y avait des gens qui se trouvaient moches, en fait. Et du coup, ils ont fait une opération chirurgicale. Mais comme ils se trouvaient toujours moches, eh bien, ça ne changeait rien à leur vie. D'accord? Et quand ils voyaient des gens, ils avaient l'impression que les gens les regardaient mal, etc. Du coup, ils n'avançaient pas dans leur vie. Et en fait, il y a des personnes, pareil, on n'a pas fait, on a fait semblant d'avoir fait une opération chirurgicale sur eux. Et on leur a dit, ouais, de dire aux autres, ouais, t'es beau, t'es beau, t'es beau. Ça n'a rien changé à leur tête. Mais comme dans leur tête, ils s'imaginaient plus beau, ben leur vie a changé. Et ça, c'est vraiment vrai. Il faut savoir que ton cerveau, il transforme ta réalité. Je m'en souviens à l'époque, quand je faisais de la musculation, il y a très longtemps. J'ai une chaîne d'ailleurs. Je sais pas si tu vois, il y avait une chaîne où j'étais beaucoup plus musclé que ça et tout. Mais il y a très longtemps, il faut savoir que moi, à la base, je suis très maigre de nature. Et j'avais pris en. Ouais, en une année, j'avais pris 18 kilos, dont 16 kilos de muscles.
Donc tu vois, vraiment une transformation. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, dans mon esprit, j'étais toujours mince. Et c'était marrant parce que j'avais un pote. Et nous, on aimait bien se taquiner en disant. En fait, on se taquinait à l'envers. On disait, oh, regarde comment lui, il est balèze. Oh, lui, il est trop beau. Dès qu'il passe, toutes les filles se retournent. On se taquinait, mais à l'envers, en fait. On disait pas, on s'insultait pas, en fait. On faisait l'inverse. Et en fait, on saussait les gens, etc. Et bon, bref, il y a un mec qui me fait, oh, regarde, lui, il est balèze et tout. Et moi, je lui dis, hey, mec, moi, je flotte dans ta veste. Et ce qui m'a choqué, c'est que j'ai pris sa veste. Je l'ai mis. Je croyais vraiment que j'allais flotter dedans. Et en fait, la veste, elle était beaucoup trop serrée pour moi, je ne pouvais pas la mettre. Et là, j'ai une révélation. Je fais, comment? Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai compris, en fait, c'était quoi également les anorexiques. Comment les anorexiques? Tu vois, un anorexique, il est hyper maigre et il se croit gros. Comment c'est possible? En fait, c'est ton cerveau qui change. Donc, tout ça pour te dire que quand tu te lèves le matin, tu es en train de changer tout ça parce que tu mets en place des habitudes. Alors, c'est un truc qu'on voit dans également les livres que je te conseille très, très fortement. Très fortement. Atomic Habits, on ne le voit pas avec les lumières du soleil, tiens, ici. Atomic Habits, c'est un truc que je te conseille très fortement parce que le matin, tu gagnes ta journée. D'ailleurs, il y a un truc à la page 161, j'ai pas de bêtises. On va aller voir ça. Tiens, voilà, c'est ça. Tu gagnes ta journée, tu as vu? Si tu commences ta journée par un bon choix, boum, tu es vers le bon choix. Si par exemple, tu fais un mauvais choix juste après, tu redescends par là. Après, je refais un bon choix. Mais tu vois, mais comme tu as commencé ta journée par un bon choix, tu es quand même dans la première partie, dans les premiers 50% où tu es dans les bons choix. Si tu commences ta journée par un mauvais choix, peu importe ce que tu fasses, tu seras quand même dans les 50% dans les mauvais choix. C'est pour ça que celui-là, il est hyper important. Il représente 50% des résultats. Je ne sais pas si tu vois bien ce que je te raconte là. Donc, si tu commences ta journée par un bon choix et un deuxième bon choix, mec, tu es déjà dans les 80% des bons résultats. Tu as fait ta journée en fait. D'où l'idée de se lever tôt le matin et de mettre en place des routines, des choses utiles pour toi. Tu n'es pas obligé de suivre les routines bêtement, hein, mais c'est prendre des trucs qui sont intelligents, lire des livres, se poser, ne pas toucher ton téléphone, faire du sport, faire un truc utile et tu auras un avantage concurrentiel sur les autres, simplement. Donc, voilà ce que je vais te dire. D'ailleurs, j'ai repris ce livre-là, je l'avais acheté l'année dernière. Je l'ai repris récemment après avoir écouté un podcast. Bon, j'ai oublié le nom, mais je crois que ça s'appelle... je te mettrai le lien, j'ai oublié le nom. Mais c'était 3-4 mecs qui en ce moment font pas mal de ce qu'on appelle de process Céline Vessel. Je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est une très grosse opportunité en ce moment. C'est quoi en gros? Ce sont des vidéos YouTube qui sont en fait des sortes de vidéos de vente où tu montres en fait derrière un tableau blanc certains process. C'est pour tous ceux qui font du high ticket et notamment du high ticket du B2B. C'est très 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 puissant. Voilà, je vous dis ça pour ceux qui... Si tu cherches des opportunités ou des endroits où se placer, si tu te spécialises dans les process Céline Vessel, il y a de quoi faire. Donc voilà, lève-toi tôt le matin, passe à l'action et je te dis à très vite, c'était Mika. N'oublie pas, si tu veux en savoir plus sur comment lancer une activité, simplement en faisant comme ça, en prenant ton téléphone et en partageant des connaissances, des idées, des concepts que tu découvres, que tu utilises et que tu mets en place, eh bien, regarde dans la description, tous les liens sont dedans, je t'accompagne là-dedans. Allez, je te dis à très vite, c'est Mika.